Bonsoir et bienvenue sur notre site clébois.com. Je vais donc appeler par téléphone Raphaël. Raphaël qui est donc journaliste en ligne. Raphaël Walou Konda qui est donc journaliste en ligne, qui va nous parler d'éclaircir un peu sur la situation à Kinshasa. On a entendu parler d'une attaque simultanée à la grenade à la résidence du ministre Lambert Mende et de l'ambassadeur André Atundu. Donc on va lui poser quelques questions, il pourra nous répondre, nous éclaircir sur la situation et sur la tension qui règne à Kin actuellement. À très bientôt, suivez notre émission. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous allons faire une émission simultanée avec Raphaël pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Madame Pichumangaya. Bonnie, ça va? Oui, bien Angolo Nzambe, Bongo Bino. Bien, ça va. Tozo Bunda Kaka. Dis-moi Raphaël, Naoki qui a eu en fait une attaque simultanée à la grenade à la résidence du ministre Mende et aussi de l'ambassadeur Atundu. Est-ce que tu as un peu d'informations sur ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Comme Outikolobango, il y a eu des attaques aujourd'hui à 1 du matin, deux attaques certainement, à la résidence de M. l'ambassadeur André Atundu. Et une attaque également enregistrée chez le ministre de la Communication et Médias de la République démocratique du Congo, Lambert Mende Omala. Donc ces attaques ont... Ce sont des hommes non identifiés jusqu'à présent, selon le ministre de la Communication et Médias. Il y a eu au moins deux plaques de véhicules qui ont été enregistrées, mais jusqu'à présent, les hommes sont toujours... inconnu. D'accord. Ces attaques ont eu lieu ce matin à 1h du matin, comme tu as dit? Bien sûr, aujourd'hui à 1h du matin. Bango 2 en même temps, dans la nuit. Même nuit, même heure. Ah bon? D'accord. Donc, blessé, que des dégâts matériels, blessé à Zat. Section. Chez la mine, selon le ministre de la Communication, aucun dégât. Néanmoins, chez le. À Tondou, il y a eu des dégâts. Dégâts matériels, et puis voilà. Chez la mère Mende, ils ont attaqué que le voisin parce que chez lui, ils ont trouvé des dispositifs sécuritaires. D'accord. Selon la mère Mende. D'accord. Donc, pour répéter un peu ce qui a été dit, donc chez le ministre Lambert Mende, dégâts matériels et athées parce qu'ils sont partis attaquer chez le voisin. Mais chez André Atundu, oui, bien sûr. Dégâts matériels et ébélés. Oui, des dégâts matériels, donc le véhicule et puis la maison. D'accord. Donc pour l'instant, il y a une enquête qui a été disjonctée. Une enquête est en cours. Oui, bien sûr. Chez le ministre de la Communication, lui, au moins, il a eu la chance de voir les véhicules et puis enregistrer les numéros de matricule. Mais malheureusement, porte-parole du gouvernement, le PCA de la SNEL, lui, il n'a pas vraiment des traces jusque-là, selon lui. D'accord. Donc, ça veut dire que Zalaki, à l'intérieur de leur résidence, quand c'est arrivé? Bon, j'ose croire. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient et comment est-ce qu'ils sont commis. Voilà la tunaki question en AP. Mais au moins, selon, par exemple, la mère Mende, il dit qu'ils ont vu au moins
le matricule de véhicule. D'accord. Très bien, merci Ming Raphaël. Selon lui, le temps. D'accord. Mais en ce moment, il paraît que en ce moment, Babara, Jeza et Belé, à Kinshasa, quelle est la situation actuellement dans la ville, dans la capitale? Bon, en fait, on a évité jusqu'à présent, j'ai été surpris un peu, car ni Tobimara Kinshasa Bouyou, ou Bimara n'a quoi à venir, au moins il y a barrière presque partout, surpris, et au moins il y a où, et puis voilà. Mais on a évité l'objectif ces années-là. Mais ils contrôlent, ils veulent savoir, ce voiture, ils ont un document, ils ont un nini, et puis voilà. Je ne sais pas si il aura le même contrôle à Nusa Liboso pour des véhicules, des Zongi, des ils contrôlent presque partout. Ils commencent avec les véhicules et puis ils finissent avec, avec le contrôle des histoires et des gens qui sont à l'intérieur. D'accord. On va contrôler les abeilles et bélier, mais partout, dans n'importe quelle commune. Ouais, c'est presque partout. C'est un travail de la police. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils procèdent. Ils procèdent certainement selon des stratégies mises en place. J'ose croire que c'est à travers toute la capitale. D'accord, très bien. Mais est-ce que aux aumônes qu'ils attendent par rapport à l'avenue des élections ou c'est comme d'habitude? Vous savez, toujours à travers le. Dans Kinshasa plutôt, j'allais dire à travers le monde, Kinshasa, à quelques jours des élections, il y a toujours des climats un peu tendus. Nous espérons que cette fois-ci, ça sera un peu dans la paix, dans la tranquillité. Mais ça s'annonce un peu mal, ça sent mauvais, le fait que ce soit déjà les autorités qui soient menacées comme ça, et voilà. Et pour la population, pour le petit peuple, ce sera comment? Nous osons croire qu'ils vont rétablir plus vite possible la sécurité en général en République démocratique du Congo. D'accord, mais c'est quand même très rare comme ça qu'il y ait des attaques directement au niveau des autorités. C'est un fait qui est rare quand même dans la capitale. Vous savez, j'aurais appris, hein, j'aurais appris que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, je pense bien, il a été menacé il y a quelques mois passés. D'accord. Ok. Donc, des événements un peu plus compliqués pour la République démocratique du Congo à quelques mois des élections. Bon, je pense que la paix, ça vaut aussi quelque chose pour avoir des élections paisibles. D'accord. Mais comment s'annoncent les élections? Quel est le comment s'annoncent les élections pour Nayo, Raphaël? Toi qui es justement dans la politique, hein, en tant que journaliste politique, pour Bon, toi, quel est je ton pense avis? les élections aujourd'hui, la RDC, ils ont période Moko Bato, il faut baser là, attente Moko démocratique plutôt. Mais moi, je pense qu'en RDC, commis moment Moko, les gens veulent venir faire des sentiments et puis des scènes de théâtre. C'est ce qui est plus dangereux. À ce net moment, l'avenir de la RDC en dépend, mais Bato jusqu'à présent, apparemment, va comprendre un peu. Et parce que, comme on a déjà certaines discussions stériles, sans se baser sur le fond, les gens préfèrent marteler sur la forme. Nous sommes déjà à quelques mois des élections, il faut passer aux actions, ou soit à faire passer des concessions, soit les actions ou des concessions. C'est ça, en fait. Et préparer aussi la population pour de bonnes élections. La grande question reste à savoir, est-ce qu'il y aura de bonnes élections? Déjà avec la machine à voter, c'est une machine que beaucoup de Congolais n'ont presque pas confiance à cette machine à voter. Bon, voilà. Déjà, il faut suivre même des matchs de plus de 100 000 Congolais dans le stade de football réclament. Tous les machines à voter et tout. Donc moi je pense que si c'est vraiment un moment où on doit faire vivre la démocratie, c'est le moment où on doit aussi également écarter peut-être la machine à voter pour exprimer le plus agréablement possible l'expression de la démocratie et puis le vouloir de la Mais du peuple.
Ouais, je comprends bien, Raphaël, mais une question par rapport à la machine à voter. Au Libye, depuis que nous avons acquis l'indépendance, machine à voter, elles ont acquitté. Mais il y a eu des élections qui se sont faites à Kin. Machine à voter, elles ont acquitté. Mais, élections, elles ont Salama quand même. Et la plupart du temps, ces élections, même sans machine à voter, ces élections, on conteste tous les jours, on conteste tout le temps les résultats. Ah ouais, même na Cameroun, Paul Biya a l'équipe sans machine à voter avec plus de 71%. Est-ce que vraiment machine à voter est vraiment le vrai débat? Parce que même s'il n'y a pas la machine à voter, si un président veut passer à Ole Kanaye, c'est rare de voir, surtout dans l'Afrique centrale, l'Afrique francophone, des élections, que ce soit même des élections dans la régularité. Il y a toujours des contestations, on voit toujours des chiffres. Ici en France, on a des 50%, 51%. En Afrique, on a des 80%, 90%, avec une personne que la population ne veut plus. Avec une personne que, ça l'a presque 25 ans, 30 ans à l'MBC, tout, mais a eu quand même 90%. Et pourtant, il n'y a pas de machine à voter. Donc, ce qui, l'Iniba, quand même. Est-ce que c'est vraiment le débat là actuellement? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se pose peut-être d'autres questions? Vous l'oubliez un mot très très bien. Vous savez, vous avez très bien dit. Sans la machine à voter, c'est-à-dire manuellement, quand le Congolais préfère aller voter, exprimer leur vouloir le plus patriotique, le plus démocratique, c'est déjà truqué. Mais quand on vous propose maintenant une machine qui vous facilite de tricher, donc la tricherie sera au carré, c'est très facile à comprendre. On va chercher des choses qui peuvent encore rendre la tricherie plus facile. Non, la C'est tri. comme, c'est comme si vous êtes à l'école, on vous interdit, on vous dit, il est interdit de tricher, ok? D'accord, n'amenez pas les cahiers, mais on vous permet de ramener un téléphone Android. On vous ouvre la porte de tricher à travers ces téléphones Android, parce que nous savons tous, à travers le téléphone Android, nous aurons des questions et nous aurons plutôt la possibilité de poser des questions à Monsieur Google, dont c'est utilisateur Google, et puis utilisateur Google va me répondre immédiatement. Donc, moi, je pense que c'est le plus grand débat. C'est le plus grand débat. Il ne faut pas faciliter la tricherie. Non, Donc, il faut pas je pense, faciliter. selon moi, Oui, pardon. selon moi, je pense que la machine à voter, c'est quelque chose à expérimenter plus tard. Parce que la RDC, ça. On dit déjà toujours, depuis toujours, plus de 50 ans, mais on dit toujours que c'est un pays jeune en démocratie. Ok, d'accord, ça va. Mais si on est jeune en démocratie, on ne peut pas utiliser aussi des matériels de pays en vieille démocratie. C'est-à-dire que les choses sont contraires. Parce qu'en vieille en jeune démocratie, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui veut au moins tricher. C'est tout le monde qui veut rester au pouvoir. Vous voyez? Oui, mais justement, Même comme en on France, sait, les élections sont toujours un sujet de contestation. je Même en suis. France, les élections sont le sujet des contestations. Maintenant, même aux États-Unis, il y a des branches qui se sont levées Levé. contre Donald Trump. Trump, oui. Maintenant, comment est-ce que vous voulez maintenant faciliter encore plus la déchérie Non, c'est pas avec des que machines à voter? quand je pose Les cette machines à question. voter, les gens ne savent pas. Les machines à voter, c'est comme un téléphone avec une carte mémoire. Pour la machine à voter, on appelle ça BIOS. Le BIOS contient des données à l'intérieur. C'est-à-dire, si quelqu'un veut tricher, il peut. Mais si quelqu'un ne veut pas aussi tricher, il ne peut pas tricher. C'est-à-dire, on ne sait pas maintenant dans quelle intention. Mais moi, je pense que c'est un procès d'intention. On ne sait pas encore est-ce que la majorité ou l'opposition veut tricher à travers cette machine. Mais on ne veut pas tomber au moins dans l'obstacle où, après les élections, on sera en train de contester le résultat. Non. Mais Machine à voter pour limiter au moins. dans les deux cas, on va contester les résultats. Donc, est-ce qu'on ne doit pas maintenant essayer de trouver une solution pour justement ne pas avoir de contestation à faire? Réfléchir d'une façon, parce que tu sais très bien, Raphaël, dans les deux cas, la contestation, il y en aura. Est-ce que maintenant, il n'y a pas un autre travail à faire, justement éviter et se battre autrement ou au niveau de la population?
Moi, je pense que, vous savez, aujourd'hui, même l'opposition congolaise, il faut se poser la question, est-ce qu'on a une opposition intelligente? C'est un grand problème au Congo. On n'a pas une opposition intelligente. C'est-à-dire, le grand débat, c'est de savoir, d'accord, ça va, vous avez amené la machine à voter, mais on doit avoir des experts informatiques. Voilà, il faut ramener justement des experts, tout à fait. Mais ça, sans personne n'en parle. Informaticiens qui peuvent carrément vous dire comment est-ce qu'on peut aller avec cette machine sans et contrer maintenant la tricherie dans cette machine. Tout à fait. On peut savoir, bon, ça va. Vous dites le machine à voter, c'est pour faciliter la tricherie. Ok, ça va. En tant que nous, informaticiens, on enlève des bidios. On laisse la machine à voter simple, sans stockage, capacité de stockage. Vous voyez? Et puis après, placer maintenant de surveillance. Voilà. Mais au moins, on est en train de passer le temps de discuter sur la forme. Bon, en fait, je pense aussi qu'il y a aussi un grand problème avec la classe politique congolaise. Certains ne savent pas vraiment la... parce qu'il y a l'informatique. Ouais, c'est un peu ça. Très bien. Bon. Très bien, merci beaucoup Raphaël. Qu'est-ce que tu peux dire ou quel message aux gens qui te suivent, parce que tu es très suivi sur Internet, ou toi, Diaspora, Yokio, qui t'ont suivi dans cette émission? Moi, je pense que le Congo, c'est un pays à construire. C'est un pays à construire dans l'unité, la fraternité et l'amour. C'est un pays à construire avec une détermination très vive. Allô? C'est un pays à construire avec une détermination très vive. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut prouver tout cela. D'accord. Je pense que le message est passé. Espérons simplement qu'il n'y aura pas plus. Il y aura des élections qui vont se faire dans un climat social. Espérons que ce moment de notre pays va passer et qu'à un moment ou à un autre, ces politiciens vont se rendre compte qu'il y a un peuple derrière qui souffre. Très bien. Donc, merci beaucoup, Raphaël. Nous espérons. Merci beaucoup, Raphaël, comme d'habitude, pour avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Et... bon courage à vous qui êtes là-bas et bien sûr, on vous soutient et on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, Raphaël. À très bientôt. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette émission qui était faite en simultané avec mon confrère Raphaël pour vous éclaircir la situation qu'a eu de l'événement d'aujourd'hui à Kinshasa. Donc, continuez à nous suivre sur notre site clébois.com. N'oubliez pas d'aimer notre page sur Facebook et de vous abonner à nos pages sur YouTube. Moi, je remercie mon équipe clébois.com, de la Nation, Nancy Boulé, Herman Emporio, Divine, Marcus, Laurette Aruna, Jolicia. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous suivent. À très bientôt sur notre site clébois.com.